était parti avec un pote qui s'est réveillé un matin avec la moitié d'un scarabée rentré dans le mollet. C'est Tomorrowland en Belgique. Oiseau venait juste de sortir son album Alpha Caesar, c'est peut-être en 2004. Et on a commencé par le morceau au titre. Et le temps de l'intro, on a vidé une tente de 10 000 personnes. Mais vraiment. Hein. C'est plus de la faute de Oiseau que de la nôtre. Les toilettes sèches. Ouais, les toilettes sèches. Une bouteille de mezcal. ACDC, King Gizzard and the Lizard Wizard pour Gaspard. Que des trucs un peu d'Australie, Nouvelle-Zélande. Hein. Ouais, Tame Impala, ça fait toujours plaisir de les voir aussi. Voilà, Midnight Juggernaut pour faire que des trucs australiens. C'était aux Hurricanes de Belfort, où je devais avoir quoi, 18 ans, un truc comme ça. C'était vraiment condition festivalière, c'est-à-dire que t'es dans des tentes, il y a plein de boue et il pleut, comme dans tout mon festival. J'étais parti avec un pote qui s'est réveillé un matin avec la moitié d'un scarabée rentré dans le mollet et donc avec l'autre qui sortait et qui bougeait encore. Donc on a dû trouver une solution pour lui enlever et c'était assez impressionnant. Ouais. Du mezcal. Une bouteille de mezcal. Boire du mezcal. Ah, on est pour, on est complètement pour. Oui, bien sûr, pourquoi on serait contre? C'est toujours marrant en fait pour nous de le voir de la scène, surtout quand ça vient à des moments qui sont pas du tout appropriés pour ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours à un moment un groupe de mecs qui décident que c'est le moment d'en faire un. Quand même, c'est assez civilisé, hein, parce qu'ils préviennent les gens un peu autour, ils font un cercle pour qu'il n'y ait pas d'accident. Mais c'est pas toujours à des moments qui nous paraissent opportuns, mais c'est d'autant plus drôle, on aime toujours regarder. C'est pas forcément le meilleur public, c'est souvent de la surprise qui fait qu'on se souvient de quelque chose. Et je me souviens d'une fois, on est allé jouer en Corée, les gens connaissaient tous les morceaux par cœur, c'est-à-dire qu'ils chantaient vraiment chaque parole de chaque morceau. Tous quoi, donc je sais pas combien de milliers de personnes il y avait. Chorus, il marche bien. Chorus, ça marche tout le temps. Les Italiens. Ouais, mais c'était pas si mal quand même. Non, c'était bien. Non, c'est une fois on a joué à Milan, et c'est le seul concert qu'on a fait de nos vies. On voyait des mecs se parler entre eux dans le pit, mais vraiment en train de converser, même pas face à la scène, quoi. Juste ils buvaient des verres et c'est la seule fois où de nos vies ça arrivait. Je te laisse deviner.